Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 17 des couleurs classes sur GTA V. Et pour cette couleur, donc on va retrouver la couleur citron, donc je sais que vous êtes pressés. Ok, donc c'était une blague de merde. Donc on va retrouver aussi une couleur bronze qui est assez sympathique. Et ma couleur, donc vous avez l'impression que c'est la couleur un peu de Tron, c'est-à-dire du noir et du bleu, mais pas du tout. Vous allez très bien voir dans le Los Santos Custom que ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va tout simplement monter dans nos voitures. Je fais une dédicace à Avenger et à Hugo de pour m'avoir aidé à trouver ces couleurs. Et du coup voilà, donc on va se rediriger vers le Los Santos Custom. Je fais une petite dédicace à Neos au passage, qui est dans la partie et qui a une couleur classe, mais je ne la ferai pas en vidéo car vous devez avoir un truc spécifique. Et donc du coup voilà, en attendant moi je vous invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à poster un petit statut, à rejoindre aussi ma chaîne secondaire spéciale course. Donc on poste des courses tous les jours, que ce soit sur Xbox 360 et PS3. On va bientôt atteindre la barre des 2000 abonnés. Je vous remercie tous. Donc le lien se trouvera en annotation et en description pour ceux qui voudraient tout simplement venir vous abonner pour regarder les couleurs ou regarder les courses et pourquoi pas les télécharger et les faire avec vos amis. Donc il y a vraiment de tout, que ce soit en BMX ou des couleurs des courses sur les toits, etc. Bref, donc on va faire comme chaque couleur classe, on va mettre ma voiture tout en noir. Donc comme vous voyez actuellement sur mon écran, ce n'est pas du tout du noir mais du violet, donc un peu un rose violet qui est vraiment très très beau et qui rend vraiment très très bien. Après vous pouvez mettre autre chose à la place, vous pouvez très bien mettre quelque chose à la place du bleu, mais c'est vous qui choisissez, moi je vous donne que des idées. Donc on va mettre tout simplement une couleur classique sur toutes les couleurs. Voilà, hop là, hop, voilà. Oula, non, je voulais du noir, monsieur. Je voulais du noir, monsieur. Monsieur, je veux du noir. Hop, donc ma voiture est toute noire. Et on va commencer tout simplement avec la couleur citron pressé, parce que vous êtes encore une fois très pressé. Du coup, je sais que je viens de faire encore une blague de merde. Et du coup, pour la couleur pressée, donc citron vert ou citron jaune, après, ça dépend de comment vous allez placer et positionner vos couleurs. Donc, pour citron vert, il va tout simplement devoir aller dans couleurs métallisées et trouver le vert racing. Donc, qui se trouve le vert racing. Donc, vous allez dans les catégories vert. Vert racing, où est-ce que tu es? Donc, vous prenez le vert racing qui se trouve à la position numéro 37 sur 75. Et vous allez tout simplement y coller un nacré jaune racing. Donc qui se trouve de l'autre côté. Jaune racing, où est-ce que tu es? Jaune racing. Vous placez du jaune racing sur votre sur votre voiture. Et en couleur secondaire, vous allez dans mat. Et on va aller dans métallisé. Excusez-moi, c'est dans métallisé. Et dans métallisé, vous allez tout simplement mettre aussi un jaune racing. Et du coup, après, vous avez votre couleur citron. Citron jaune ou citron vert comme vous voulez. Et après vous n'êtes plus pressé pour le moment, étant donné que vous avez votre couleur citron. Donc je sais que la blague c'est de la merde, mais on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Donc pour la couleur des rouges, je vous conseille de mettre un petit vert. Après si vous voulez mettre du jaune, vous pouvez mettre du jaune hein, mais personnellement moi je vous conseille de mettre un petit vert. Donc ce petit vert là, donc le vert tout simple, pas le vert clair. Après vous pouvez mettre du vert clair mais ça rend pas très bien. Vous mettez du vert et après ça fait ressortir un peu la couleur citron. On va tout de suite passer maintenant à la couleur bronze. Donc la couleur bronze qui m'a été trouvée par Ranger. Donc pour la couleur citron, vous voterez 1 dans l'espace commentaire. Et donc du coup pour la couleur bronze, vous allez vous rendre dans métallisé et aller chercher la couleur rouge sang. Donc qui se trouve ici. Donc c'est le rouge très très foncé. Et vous allez tout simplement devoir coller un nacré saumon par dessus. Donc le saumon, où est-ce qu'il se trouve, le petit saumon? Saumon, voilà. Du coup vous collez un petit saumon sur cette couleur, donc ça rend pas le même effet avec la phénix ou la Zentorno. Et après vous allez tout simplement mettre en métallisé vous allez devoir coller un blanc glacier, donc il se trouve tout en bas. Donc vous vous dépêchez d'aller vers le bas et vous placez un blanc glacier comme ceci. Et du coup vous avez votre couleur qui est vraiment très très belle, moi j'apprécie beaucoup cette couleur. Et dans la catégorie des roues, vous allez tout simplement mettre du blanc dans les roues. Après vous pouvez mettre du noir ou tout ce que vous voulez, mais personnellement
je vous conseille de mettre du blanc givre. Et du coup, vous avez votre couleur bronze. Et du coup, pour la couleur bronze, vous voterez 2 dans l'espace commentaire. Maintenant, on va passer à la couleur que j'ai trouvée. Donc, je n'ai pas vraiment de nom pour cette couleur, étant donné qu'elle est vraiment pas très originale. Mais c'est pas grave. Donc, vous allez tout simplement mettre un rouge. Pareil, donc vous allez devoir mettre un rouge sang. Et dans la couleur nacrée, vous allez tout simplement devoir mettre un mauve schwarzer. Je sais pas comment on le dit, mais c'est pas grave. Donc, vous mettez. Non, vous allez tout simplement mettre le violet, ou après vous pouvez mettre du mauve nocturne pour que ce soit vraiment beaucoup plus foncé. Je vous conseille de mettre le violet, et par-dessus le violet en couleur secondaire, vous allez tout simplement mettre du mat bleu. Non, c'est pas du mat, non, métallisé. Qu'est-ce, je sais pas ce que j'ai avec le mat. Et en bleu et en couleur secondaire, vous allez tout simplement mettre un bleu ultra comme celui-ci. Et du coup, après, vous avez la couleur que j'avais en tout début de vidéo. Après, beaucoup disent que ça va ressembler à la couleur de 30, mais c'est pas du tout la même chose. Personnellement, moi j'aime beaucoup cette couleur, mais je préfère la couleur la couleur bronze. Après, pour les roues, vous mettez tout simplement un bleu vif ou un bleu fluo. C'est comme vous le sentez, on va mettre du bleu fluo. Et du coup, après, vous avez vos couleurs classe. Et après, bah, vous mettez et vous faites la couleur que vous voulez. Du coup, vous voterez 3 dans l'espace commentaire pour la couleur. Je sais pas comment on va l'appeler la couleur violet bleu. Simplement parce que j'ai pas vraiment de nom. Donc il y a la couleur citron pressé, citron vert. Il y a la couleur bronze et la couleur violet bleu. Donc vous voterez tout simplement dans l'espace commentaire comme à chaque épisode. Dans tous les cas, vous avez vraiment l'habitude. Et du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Lâchez un petit like et lâchez un petit partage afin que vos potes puissent réaliser des couleurs vraiment magnifiques sur leur voiture. Pourquoi pas me donner des idées de couleurs dans l'espace commentaire. Et pourquoi pas me donner des idées de thèmes. Donc on m'avait déjà proposé l'idée du thème des boissons. Je vais le réaliser, mais la personne qui m'aide à trouver les couleurs est actuellement en vacances. D'ailleurs, on lui fait une petite dédicace. On fait une petite dédicace à Revenge. Moi, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.